Bonjour très chers membres et bienvenue dans une nouvelle édition de HJ Global News. Après la présentation en offrande aux parents célestes de Chonwongung et du sanctuaire Chonil et le succès retentissant de la célébration du 80e anniversaire de la vraie mère, une réunion d'information publique sur les événements et la vie et les œuvres des vrais parents s'est tenue dans chaque église à travers le monde. Dans cette édition spéciale de HJ Global News, nous reviendrons en détail sur cette réunion d'information publique. Les événements marquant le 80e anniversaire de la vraie mère se sont conclus avec succès. Pour faire part du succès de ces événements aux acteurs de la société civile et à l'opinion publique, plusieurs services dominicaux ont été organisés le 14 mai dernier à l'église du siège international et dans plusieurs églises de la Corée et du Japon. Il s'agissait de grands festivals auxquels ont participé de nombreux résidents et dirigeants locaux qui ont eu l'occasion de découvrir la célébration unique du 80e anniversaire de la vraie mère. À l'église Chonwon, église du siège international, l'événement a enregistré la participation de plus de 1500 personnes, notamment des autorités politiques et administratives, ainsi que des résidents du comté de Gapyeong. En ouverture, le révérend Park Sang-son a souhaité la bienvenue aux participants des 6 circonscriptions du comté, puis a témoigné des œuvres en faveur de la paix des vrais parents. 한학자 총재님께서 걸으신 세계 평화의 길은 개인이 수고하고 노력하여 이룰 수 있는 그런 길이 아니었습니다. 하나님께서 부모가 되시어 함께 걸으시고 열매를 거둔 세계 평화의 길을 가셨고 지금도 하나님이 함께 하신 가운데 세계 평화와 남북 통일의 길을 가고 계십니다. Des autorités politiques et administratives du comté de Gapyeong ont ensuite adressé des messages de félicitations dans lesquels ils ont remercié Révérend Sang-myeon Moon et Dr. Ha Cha-han Moon pour leurs actions en faveur de la paix. Des autorités politiques et administratives du comté de Gapyeong ont ensuite adressé des messages de félicitations dans lesquels ils ont remercié Révérend Sang-myeon Moon et Dr. Ha Cha-han Moon pour leurs actions en faveur de la paix. Au cours du programme, des leaders d'église sont revenus sur les 8 jours de célébration et ont livré des rapports sur le sens et le succès des événements. À l'église Chonwon, Dr. Yang Chang-sik, président de la FPU internationale, a effectué une présentation spéciale au cours de laquelle il a partagé avec les invités les œuvres réalisées par les vrais parents en Corée et dans le monde entier en faveur de la paix. Après la présentation de Dr. Yang, il y a eu un moment de divertissement au cours duquel plusieurs groupes musicaux venus de différentes églises ont effectué de belles prestations musicales pour égayer le public et célébrer ensemble ce grand moment de joie. Dans tous les services qui ont eu lieu dans chaque église, les nouveaux couples bénis qui ont débuté une nouvelle vie dans l'amour du Parent Céleste ont reçu les vives félicitations de tous. À l'église Chonwon, les invités ont participé à un pèlerinage au complexe Yeojeon Chonwon après le service dominical. Par ailleurs, les événements célébrant le 80e anniversaire de la vraie mère ont fait l'objet d'une large couverture médiatique. En effet, 64 articles de presse ont évoqué la célébration du 80e anniversaire de la vraie mère, le festival de bénédiction cosmique Hyojong et l'inauguration de Chonwongung. 62 articles ont également évoqué le sommet sur la paix 2023 et l'exposition sur la vie et les œuvres des vrais parents a été relayée dans 31 articles de presse. We'll be right back.
nous sommes fiers des vrais parents et les aimons de tout notre cœur. La célébration du 80e anniversaire de la vraie mère était une nouvelle opportunité de mettre en lumière les œuvres des vrais parents et d'hériter de toutes leurs victoires. Nous prions tous pour devenir de vrais enfants courageux qui rempliront leurs responsabilités. Avec un cœur de piété filiale pour Dieu et une ferme détermination, nous avancerons vers l'achèvement de la providence divine en réalisant une Corée céleste unifiée et un monde céleste unifié. Le 18 mai, la vraie mère et 70 leaders de Chun-Il-guk se sont rendus sur le quai HT Marina pour le premier embarquement sur le bateau de croisière HT Cruise. À son arrivée, la vraie mère a effectué un tour du quai Marina, puis a écouté des explications sur la boulangerie, café et le restaurant qui s'y trouvent, avant de finalement embarquer sur le bateau. Les invités ont également entonné de magnifiques chants en chœur pour exprimer leur joie et leur gratitude. Après avoir débarqué du bateau, la vraie mère a convié les leaders à un banquet spécial au restaurant Hyojong-yeon. L'événement a débuté avec la prière représentative du révérend Lee Ki-sung, qui a été suivi d'un toast à la victoire. Monsieur Lee Song-man, directeur du jardin HJ, a ensuite récité un poème pour adresser ses félicitations pour l'inauguration du bateau HJ Cruise. Madame Moon Yeon, la directrice du secrétariat de la vraie mère, a ensuite lu une lettre touchante qui renfermait le cœur de piété filiale des membres du Pakistan. Après cela, les directeurs des différentes branches continentales de Chun-Chi-Mon ont effectué leur rapport et présenté leurs résolutions. La vraie mère a ensuite prononcé de précieuses paroles, appelant tout le monde à redoubler d'efforts dans le témoignage pour l'achèvement de la providence divine.이 나라 5천만 백성이 하늘 부모님의 자녀가 되어야 된다는 얘기야. 참부모에서 축복을 받은 축복 가정, 천일국의 백성이 되어야 된다는 말이야. 더군다나 6천년 만에 하늘 부모님을 모실 수 있는 성전을 봉헌한 이때에 이 나라가 망하면 안 되고 세계도 망하면 안 되잖아. 응? 그러니 어떻게 해야 되겠어? 개개인이 전도해야 돼. 전도해야 돼. 전도. 자나 깨나 전도 기필코 실천 성공해야 되겠지? 더 이상 하늘을 기다리게 하지 마. 더 이상 독생녀 참어머니를 외롭게 하지 마. 알겠나? 우리의 목표는 국가복귀. 전도, 전도, 전도야. 그 길만이 너희들도 살고 그 나라도 사는 길이야. 알겠지? 국가복귀. 하늘 부모님의 조국이 먼저 복귀돼야지. 그래 안 그래? 그리고 또 한 가지 강조해야 될 것은
2세, 3세를 찾아 세우는 거 중요해. 창조주 하늘 부모님의 본질, 참 부모의 사명이 무엇이었는가를 교육해야 돼. 그러기 때문에 천심원 섭리가 중요하다 하는 말을 할 수가 있어. 신앙의 뿌리가 되는 거야. 흔들리지 않은 신앙의 뿌리. 자기가 스스로 체험해야 돼. La vraie mère marche sur le chemin de la piété filiale envers le parent céleste et est fermement déterminée à achever la providence divine ensemble avec les leaders de Chonilguk. Cette rencontre était une occasion précieuse pour les leaders présents de réaffirmer leur détermination à devenir de vrais fils et filles filiaux qui ressemblent à la vraie mère. Le programme s'est conclu par les traditionnels cris de Okmansé guidés par le révérend Choma Nung, président du Conseil national des aînés. Cette réunion d'information publique a été une occasion unique d'exprimer tout notre amour et notre fierté pour le parent céleste et les vrais parents en tant que leurs vrais enfants. Ce furent de précieux moments de révéler à tous l'existence du parent céleste et le fait qu'il ait envoyé sur terre les vrais parents qui ont consacré toute leur vie à la réalisation de la paix dans le monde. C'est sur ces mots que se conclut cette édition de HTEC Global News. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.